Et la rentrée d'Angers était bonne, il a bien fini, il m'a bien plu. Hein, et à Vincennes, il rendait 50 mètres, c'est pareil, il a bien tenu sa partie aussi. Et bon, c'est vrai qu'à Vincennes, il aime moins la piste de Vincennes. Il ne faut pas trop tenir compte de cette perf à Vincennes, parce que les derniers 150 mètres n'ont pas été particulièrement exceptionnels, mais le cheval a fait grandir quand même 50 mètres, alors donc c'était pas mal quand même. Aujourd'hui, il a fait un petit travail gentil. Et on a fait un petit bout vide de 150 mètres. Donc le cheval, il a fait 2 fois 3 000 mètres tranquille et puis un bout vide. Le cheval, il a de l'allant et tout en étant bien décontracté. Et vraiment, c'est là que c'est comme ça qu'il est mieux, à mon avis. L'édition 2015, elle va être moins bien préparée que celle de 2014, puisque le cheval a couru que 2 fois, car en 2014, il avait couru au moins 4-5 courses, donc le cheval était un petit peu plus affûté. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il est quand même mal, il est quand même bien quand même. C'est vraiment un cheval qui est beaucoup plus performant à l'autostart. À la cellule, il est lent à s'élancer, donc il est beaucoup plus avantagé, à mon avis, avec l'autostart. Je pense que 1600 mètres, c'est devenu bien sa distance. Entre 1600 mètres et 2100 mètres, c'est vraiment bien ses distances aujourd'hui. Cette épreuve-là, ça fait partie des objectifs du cheval. J'espère qu'il va être dans les 3 premiers. Ça serait bien pour le cheval. Et puis, pour vu que c'est une remise en forme, donc je pense que normalement, il n'est pas encore à 100%, mais dans les 3 premiers, c'est possible. C'est Jean-Michel qui va le driver. Donc, c'est lui qui le drivera dès qu'il pourra le driver. Ça va être lui, son futur driver. Armel Cheval va continuer sa carrière ensuite à l'étranger. Je ne sais pas encore où, on n'a rien défini, mais il a la Suède, il a peut-être en Amérique, peut-être ailleurs, j'en sais rien. Le cheval, il va certainement continuer sa carrière.